L'Institut supérieur technique social de Goma, très déterminé à outiller le secteur scientifique pour cette année académique prochaine 2022-2023. C'est dans ce cadre que 20 membres du corps académique sont rentrés ce jeudi 25 août 2022 à l'école de la perfection du système licence, master, doctorat, LMD en sigle. L'enseignant de la séance de renforcement de capacité n'est autre qu'un expert de l'enseignement supérieur universitaire dans la mise en œuvre du système LMD en République démocratique du Congo. Le chef des travaux François Kajira Mugabi, c'est lui, enseignant à l'ISTEM Bukavu, s'est concentré sur la filière infirmière où son expertise n'est pas démontrée, mais aussi une filière organisée à l'ISTES Goma. Il a évoqué les avantages du système LMD et sa mise en application. L'étudiant au centre de sa formation, on lui laisse d'abord un tiers d'un crédit. Donc, là où c'est 25 heures, un crédit, vous trouvez déjà que l'étudiant a pris, les concepteurs du LMD ont mis un tiers pour le TPE. Il reste deux tiers maintenant. Les deux tiers, on les répartit pour les CMI, les cours magistrales interactifs, on les répartit pour les TD, les travaux dirigés, ça suppose qu'ici, qui ont besoin de la supervision de l'enseignant ou l'encadreur, et les travaux pratiques. Très attentifs, les enseignants outillés en bagage LMD ont témoigné ceci à l'issue de la formation. Aujourd'hui, nous sommes très ravis de l'atelier de formation, mais aussi la remise à niveau concernant le système LMD. Par rapport à toute autre formation que nous avons ici concernant le système LMD, la formation était très très pertinente, hein, du point que tout le monde est sorti en état satisfait et nous avons beaucoup plus compris comment nous devons enseigner autrement, comment nous devons évaluer autrement, comment nous devons aussi décider autrement. Clément Bitamoussa est promoteur et directeur général de l'ISTES Goma. Celui-ci précise pourquoi cette formation. Nous avons pensé à organiser cet atelier de renforcement des capacités sur les systèmes LMD parce que c'est une exigence du gouvernement congolais qui demande à ce que tous les établissements de l'enseignement supérieur universitaire puissent basculer vers le système LMD, licence, master, doctorat. Ce formateur m'a attiré beaucoup plus parce que c'est un expert qui a eu une formation de qualité dans son profil et dans son cursus académique. Là, je pense particulièrement à la filière des sciences infirmières où l'ISTES a beaucoup d'étudiants. Cet expert, le master chef de travaux Franck, qui vient de l'université de Sorbonne, où il a obtenu son master en sciences infirmières. C'est un des rares et cadres de ce pays qui vient de l'université de Sorbonne, particulièrement pour les sciences infirmières. Voilà pourquoi il a été retenu parmi les 40 experts qui ont confectionné les nouveaux programmes en sciences infirmières. Et particulièrement pour les grands Kivu, là nous prenons le Maniema, le Nord Kivu et le Sud Kivu. Il est le seul qui a représenté à ses assises des confections des programmes des sciences infirmières en LMD, le seul qui a représenté le grand Kivu. Et là, il est en partance pour l'Université de Montréal au Canada, où il évolue dans le même profil, où il prépare déjà sa thèse en sciences infirmières. Et donc, ayant eu l'occasion d'être en contact avec un cadre des renoms comme celui-là, je me suis dit qu'il faut sauter sur l'occasion dans le sens d'assurer la qualité et la vision de mon établissement. Je me suis dit, je saute sur son occasion, je dépense tout ce que je peux dépenser pour l'avoir dans mon établissement avec tous les enseignants de mon établissement pour que nous puissions bénéficier vraiment de cette formation. Il y a un homme de Dieu qui disait que si vous apprenez que la paix passe par votre ville, il faut l'acheter. Et c'est comme ça que moi j'ai profité de la présence de ce haut cadre de ce pays pour que nous profitions de son savoir.
parce que tout ce qu'il a acquis comme enseignant, c'est pour notre bien. Clément Bitamoussa, directeur général de Liste S, aussi bien vice-président de la conférence de chefs d'établissement de l'enseignement supérieur universitaire en province du Nord-Kivu, voudrait classer son institution, en audrit-il, dans cette compétition scientifique en province du Nord-Kivu. Plus rien ne lui échappera, a-t-il rassuré. Vous n'êtes pas en LMT, vous êtes en BADEM bis. Vous êtes en BADEM bis. À l'issue de cette séance de renforcement des capacités, chacun doit s'interroger.